Pendant toute la semaine, c'est Charles, le chef du Chamagnon à Chamagne, qui nous régale. On s'occupe de la quatrième recette de cette semaine. Donc l'idée, c'est de partir sur un poulet en cocotte, un demi-poulet, puisqu'on travaille pour deux, hein, trois personnes et pas plus. Donc on l'a coupé en deux et c'était volontaire. Et on va l'associer donc avec du cédrat. C'est ça. Donc là, on est sur un citron. Hein, voilà, c'est un citron qu'on a conservé dans le sel. Oui. Bon, après, c'est un mode de conservation pour les marins. Du coup, là, on va récupérer on va pas utiliser la chair, on va utiliser que la peau. D'accord. Et ça va nous permettre de faire une préparation. Voilà, ça va embaumer le poulet. Donc on va partir sur une recette avec quelques oignons, un petit peu d'ail, huile d'olive, nos citrons. Et alors c'est facile à faire. Enfin, en gros, j'achète quoi, du citron. T'achètes le citron, tu les coupes en deux, tu garnis avec du gros sel. D'accord. Tu les mets dans les bocaux avec un petit peu d'eau, et au bout d'un moment, ils vont se confire par eux-mêmes. Tu vois là, la peau elle est complètement translucide. Mmh. Du coup, après, il faut pour la cuisine, il faut garder que la peau. D'accord. Et du coup, là, on est sur quelque chose qui va être très, très aromatique. Et ça matche très bien avec les volailles ou avec le poisson. D'accord. Donc, et là, on a choisi de faire un poulet. Tu peux le garder combien de temps ? Alors, ça, tu peux le garder un an, deux ans, trois ans, sans problème. Okay. C'est un mode de conservation, finalement. Mmh. Donc là, on en a assez, hein, par rapport à la quantité de poulet qu'on souhaite faire. Donc ça, tu laisses de côté et... Hop. La pulpe, on l'enlève. Mmh. Ouais, en fait, pour le coup, avec ce mode-là, la pulpe, elle n'a plus aucun intérêt. Aucun intérêt, non. C'est vraiment translucide. Et l'odeur, c'est fou. Tu vois, tu pars sur un citron particulier ou non, même pas spécialement? On est sur du cédrat, c'est une variété de citron. Ah oui, ok. Mais c'est un citron, c'est un citron. Oui, d'accord, mais on peut le faire avec un citron standard, classique. Bien sûr, sans problème. Donc après, on va pas trop saler, parce que soit là, on rince un petit peu nos citrons confits. Parce que là, ils sont gorgés de sel. D'accord. Gorgés de sel. Donc, en quantité, t'as mis combien, là, pour ton... Là, il y a trois citrons, il n'y a pas grand-chose. Trois citrons en poids de sel. Ah, en poids de sel, t'es sur quelque chose aux alentours de, je sais pas, là, si t'as un kilo de citron, tu mets 500 grammes de sel, c'est d'accord, bien. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il faut bien le rincer après. Ok. Et tu attends minimum combien de temps avant de le consommer ? Au bout d'un mois, deux mois, c'est bon. Donc là, on va les découper, mais grossièrement, puisque de toute manière, c'est juste la base de notre sauce. Et ça, c'est des citrons qu'après, tu peux en confit comme ça. C'est trop bon. Tu peux les utiliser genre dans des tagines, des choses comme ça. Bah là, avec le poulet. C'est le même esprit un peu méditerranéen. Mais ça, c'est ce qu'ils utilisent pour faire les tagines. Ça, ça fait partie de leur culture également. Donc là, le citron, c'est bon. On va saler, poivrer. Ah, on les assaisonne. On y va. On va les assaisonner. Donc là, t'as tout. Je te laisse le faire. Donc, tu coupes. Poulet, donc tu as déjà. On va saler. Élevé, hein. Non, là, tu poivres. Poivrer. Très peu de sel, du coup. Hein. Oui. Ouais, recto verso. Ah, super. Voilà. Les petits suprêmes. Ouais, en fait, tu vas créer ton jus naturellement dans ta cocotte. C'est ça. On va juste rajouter un petit peu de farine, ce qu'on appelle singer, pour donner un peu un côté un peu épais. On va pas rajouter de fond dans notre sauce, donc c'est vraiment. Là, tu coupes tes petits oignons. Les petits oignons, ça va bien rissoler, ça va apporter du goût. Ça, petits oignons rouges, les oignons grelots, c'est la pleine période. Voilà, et on aura un petit peu d'ail également. Donc là, tout est prêt, on va passer sur la cocotte. Sur la cuisson. Donc là, tu fais une première cuisson préalable dans ta poêle, c'est ça le principe? Tu vas bien saisir. On va bien saisir. D'accord. Parce que là, on n'aurait pas. Si on laisse dans la cocotte, elle est un peu petite. Donc, ça ne va pas être uniforme. Alors que là, on va bien faire saisir nos différents morceaux de poulet. Tu vas apporter une belle coloration. Et après, tu finiras la cuisson en cocotte et au four. C'est ça. Tu mets un petit peu d'huile d'olive dans ta poêle, bien chaude. Un petit peu de beurre. Ouais, pour vraiment bien saisir. Ça, c'est intéressant. Pour avoir une belle coloration au niveau du poulet. Et ensuite, donc, on va faire saisir notre poulet. Voilà. Donc là, tu vas le saisir. Tu le mets côté peau. D'accord, côté peau, dans un premier temps. Ah, super. Et également, donc, la carcasse. Et après la cuisson en cocotte, vu que tu l'auras déjà saisie, comme ça, ça va mettre combien de temps? Tu vas la laisser combien de temps? Une demi-heure, quand même. Une demi-heure, oui, une demi-heure. 40 minutes, c'est bien. Alors, tu as des morceaux qui vont cuire plus rapidement que d'autres, tu vois. La cuisse, un peu plus long.
Après, faut pas être trop fort sur la cuisson, parce que sinon, après, ta viande, elle va se raidir, ça va pas être moelleux. Donc, faut quand même être modéré sur la température de ton four. On va le mettre à combien? On va le mettre à 160. D'accord, ah oui, plutôt, ouais, ok, assez doux. Donc, hop, la viande, on la met dans la cocotte. D'accord, tu la débarrasses. Une fois qu'elle est bien saisie, qu'elle a pris une belle couleur. Voilà. Le filet et les petits solilès. Les solilès, notre carcasse, on va rajouter les oignons. Là aussi, tu veux leur apporter une belle coloration. Une petite coloration. D'accord, donc les petits oignons rouges, nouveaux. Là, on peut rajouter l'ail ici. Directement de l'ail dans la cocotte. Dans la cocotte. Mm-hmm. Donc ensuite, tu mets. Donc on rajoute. Les fameux cédras. Les fameux cédras. Ah, super. Puis c'est vrai que citron poulet, c'est quand même. Ah, ça se marie bien. Hein. Ah, j'adore. Donc là, on va débarrasser la carcasse, les oignons rouges dans la cocotte. C'est ça. Et après, c'est là que tu vas singer un petit peu. Là, on va singer notre morceau de poulet. Légèrement ta farine. La et farine. Puis après, on passe en cuisson. Donc à 160 pendant 30-40 minutes. 40 minutes, ouais. Hein. Et puis après, on passe à table et on mange. En fait, je sais, enfin voilà, on sait quand même citron, poulet, que ça marche bien. Mais là, avec l'option comme ça, citron confit avec les citrons là. Très parfumé. Hein. Ah ouais, c'est excellent. Franchement, c'est divin. On est vraiment sur une recette que j'adore parce que c'est convivial. Et en même temps, t'arrives, il y a des convives à la maison, tu mets ta cocotte, wow, tu ouvres, on a eu tout de suite cette odeur là, ouais. Oh, c'est trop bon et le goût est vraiment divin. Pour accompagner, à la limite, on peut partir sur quoi? Petite pomme de terre. Petite pomme de terre rôtie. Ouais, ouais, ouais. Simple, efficace. Avec un petit peu de sarriette, ouais, ouais, c'est bien. C'est, une bonne c'est vraiment une belle recette. Voilà, c'est simple, efficace et avec la petite touche là de cédra, parfait. On va terminer avec un dessert. Tu nous fais quoi? Donc on va faire une pavlova. Donc c'est une base de meringue, une mousse vanille, ça va être servi avec une chantilly et on va servir ça avec des abricots qu'on va faire infuser avec de la vanille également.